Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Priou. J'ai été envoyé aux Philippines avec les MEP. J'étais dans un foyer où il y avait entre 6 et 8 jeunes tout au long de ma mission. Donc voilà, donc ma vie, ça a été d'être avec eux, de faire du sport, de faire du travail manuel, du travail pour s'occuper du jardin, pour s'occuper de la propriété, pour couper du bois, de faire tout un tas de choses. La plus grande partie de ma mission, ça a été être une présence et être avec eux au quotidien et essayer d'être source de joie et de rire avec eux. Dans le film Into the Deep, j'ai été une des différentes missions filmées pendant le tournage. J'ai cette grande chance de pouvoir avoir à mon retour aussi un support visuel pour pouvoir témoigner de ma mission. Trois bonnes raisons d'aller voir le film Into the Deep, parce que ça va vous faire voyager, ça va vous faire découvrir plein de nouvelles choses. C'est sympa et surtout en ce moment où vous avez le temps. Et en troisième raison, certainement parce que c'est gratuit et c'est disponible à tous sur leur site Into the Deep. Cette expérience de la mission et du volontariat, dans ma vie quotidienne, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé ma façon de voir les choses, d'appréhender les choses, d'être avec les gens. Maintenant, j'ai un petit peu ce réflexe d'essayer de sourire, d'essayer de voir le positif partout et d'essayer de ne pas être régi par le temps ou par la rentabilité, mais par la qualité des relations, par la vie. Ça a aussi énormément changé sur le plan spirituel. J'ai une relation maintenant avec le Seigneur, avec le Christ, qui est beaucoup plus ancrée. Je sens vraiment cet appui du Seigneur dans ma vie de tous les jours. Est-ce que la mission s'arrête en France? Clairement non. Clairement, la mission continue et continuera. La mission est au quotidien. Donc évidemment, avant tout, la mission continue.